On est où? On est à Montpellier. Ouais, on est dans au derby. Ouais, ben ouais, le derby sera dimanche. Ouais. Ça reste toujours, bah ouais, c'est un match, toujours un match particulier, bien sûr. C'est le match de l'année. À nous de bien l'aborder, de bien le jouer pour le gagner. Simplement. Oui, mais dimanche, il n'y aura pas de public. Voilà, ça, il va manquer beaucoup d'ingrédients. C'est ça qui est dommage. Et jouer un derby sans public, c'est pourri. Vous avez plus envie de gagner, ben, ça fait plaisir au public, au club, bien sûr. Ouais. Ben, non, il y a pas. Non, je pense que tout le monde est concentré et motivé pour aborder ce match. Après, ça va manquer de ferveur, ça va manquer. En plus, ça va être la première fois qu'on va jouer à huis clos, quoi. Voilà, on verra. J'en sais rien, je sais pas. On verra comment le match va se dérouler. Les joueurs, ils ont envie de faire un bon match, ils ont envie de gagner. Après, il va falloir qu'on le joue bien, qu'on le joue intelligemment et qu'on respecte l'adversaire aussi, parce qu'il y a de la qualité aussi chez eux. Et de bien l'aborder pour faire ce qu'il faut pour gagner le match. Ouais, bien sûr qu'on a les certitudes. Après, il faut être à même de remettre les bons ingrédients, bonne sauce pour que tout soit parfait. À nous d'être efficace, de bien défendre, de bien attaquer collectivement, d'avoir une bonne tête chez tout le monde. C'est important. Ils sont bien renforcés, ils ont une bonne équipe. Non, mais on a envie de. C'est, comme je t'ai dit, j'ai joué des derbies dans plusieurs clubs. Ça a une saveur particulière, quoi. Ça n'a rien à voir avec un match comme un autre. Mais c'est au fait aujourd'hui du Covid, c'est au fait du. Voilà, il n'y a pas de public. Et jouer sans supporter, c'est triste, quoi. C'est triste. Et, stade vide, on l'a pas vécu encore. Moi particulièrement, j'ai jamais vécu en tant que coach. On a eu des tribunes qui étaient fermées partiellement, mais la totalité du stade aujourd'hui, ça va faire bizarre. Et c'est ce qui fait pour vous qu'il y a moins de. Il y aura l'heure du match aussi, l'heure du match à 13h. Il va faire. Ouais. Même le ciel est triste. Il pleure. Ouais, je pense qu'il est. Il est assez grand et. Je pense qu'il va bien l'aborder comme il faut. Parce que ce genre de match, il est connu. Même si l'équipe a changé, ses partenaires le connaissent. Ouais, mais il connaît encore beaucoup de partenaires qui sont là-bas, avec qui il a joué. Et ça, c'est la vie du foot aujourd'hui. Hein. Ça zappe vite et ça. Non, je pense pas. Je pense que il est lucide et il a envie de faire un bon match comme ses partenaires. Ouais. Après, tout peut arriver dans un match. Hein. Je te parle aujourd'hui, tout peut arriver dimanche. Et je pense qu'il est assez lucide pour. On a envie de finir les matchs à 11. Je pense qu'il prend de la maturité chaque année. Et maintenant, ça fait 4-5 ans maintenant qu'il est en Ligue 1. Non? C'est la quatrième année, là. Il a fait quoi? Il a fait 2 avec Nîmes. Et il a la quatrième avec nous. Non, là, il prend de la maturité. Et il se sent bien. Il est chez lui, là. Il sent bien, il a envie de s'épanouir avec ses partenaires. Et
C'est pour ça qu'il fait un bon début de saison. Hein. Mais il a été très bon plus bas aussi. Il est capable de jouer dans plusieurs registres. Aujourd'hui, il est positionné un peu plus haut et il le fait très très bien. Voilà, ce qu'il a à faire, il le fait très très bien. J'espère que ça va continuer comme ça toute la saison. Bah, l'an dernier, il a manqué beaucoup de matchs hein, à domicile, à la maison. Hein, mais il n'était pas là, l'équipe jouait bien aussi. Voilà. Je pense que c'est un état d'esprit qui a collectif qui a émergé dans l'équipe. Hein. Voilà, c'est la façon dont on joue à domicile, que ce soit la qualité qu'on produit, dans la mentalité qu'on y met, c'est très très bon. Je sais pas, on verra. On va jouer d'abord pour le gagner. On va rester dans l'esprit positif. Il faut qu'on garde cette dynamique-là et on verra à la fin du match, on en reparlera. En tant que coach, ben c'est il y a 2 ans quand on l'a gagné ici, tout le monde était très heureux. Je crois que c'était 3-0. Hein. Ouais. Ouais, c'était un gros match, le stade était archi comble. Ouais, c'était, même s'il y a eu un peu de débordement de la part de la butte, et c'était festif, c'était très joyeux. Ouais. En tant que joueur, j'ai eu des mauvais moments quand on avait perdu là-bas en coupe. Et puis un bon moment sur Montpellier aussi. J'avais été buteur aussi, je crois, à l'époque.